et le Grand Prix 2019 est... La Société industrielle de chauffage. Bravo. Et je vais inviter Cécile Dindard à nous rejoindre également pour représenter l'État. Voilà, applaudissements forcément pour la Société industrielle de chauffage, qui est également le prix de l'État en région, qui a été coup de cœur. Patrice Penel, un mot sur ce lauréat de ce Grand Prix 2019. Ce qui nous a séduit dans la Société industrielle de chauffage, c'est le côté social de votre message. Vous êtes vraiment remarquable sur votre proximité avec votre environnement géographique. Vous recherchez à recruter des publics de tout type, des jeunes en particulier, et on sait que ce n'est pas facile. Vous êtes une entreprise qui est depuis de longue date implantée dans la région, qui avait une histoire et une réputation qui est vraiment excellente. Et donc, je ne comprends pas que vous n'ayez pas déjà eu le Grand Prix. Il était largement temps de corriger cette anomalie. Et on est vraiment très heureux de vous remettre cette distinction. Voilà. Mais de toute façon, on prévoit une photo en centrale juste après. Je vais laisser peut-être la parole à Bruno Couture, le directeur de site. Ouais, une réaction à chaud comme ça. En regardant les awards de ce soir, on sait déjà qu'on peut postuler, par exemple, l'année prochaine pour la sécurité, parce que c'est quelque chose d'important aussi pour nous dans l'entreprise, et on fait beaucoup d'efforts sur le sujet. Bon, voilà, donc l'année prochaine, on sera présent. Moi, je suis très fier de représenter les salariés de l'entreprise ce soir et de recevoir ce trophée. Je voudrais les remercier parce que ce projet là d'entreprise qu'on a, il est formidable. Enfin, il est passionnant. On essaye de le transmettre aux plus jeunes. Moi, je suis pas tout jeune, mais on essaye de le transmettre aux plus jeunes. Par exemple, on a aujourd'hui dans l'entreprise 17 apprentis, notamment il y en a quelques-uns qui viennent de l'ICAM, par exemple. Et ce que j'aurais aimé, c'est que les quelques collaborateurs qui sont là nous rejoignent pour ce trophée. Donc on a besoin d'argent, donc on a notre directeur financier, Vincent Dumoulin, qui est là. Et ce que je vous propose peut-être, c'est d'aller au centre de la scène, voilà, au milieu, comme ça, tous ensemble. Avec et puis Jean-Francis Clément, Patrice. L'équipe RH. Jean-Francis Clément, c'est le père de la pompe à chaleur pour l'usine en 2007, c'est grâce à lui... qu'on a construit cette nouvelle usine à Billy-Berclos de 22 000 m² et qui nous a permis d'embaucher plus de 100 personnes en 3 ans. Voilà. Caroline, si tu veux dire quelque Allez-y. Chose. Allez-y, dites au milieu comme ça. C'est plus simple pour tout le monde de vous voir et d'être sous la lumière. Vous êtes Grand Prix 2019. Allez-y même devant la scène. Je vais venir avec vous. Allez-y. Karine Charbonnier, Cécile Dindard va vous accompagner pour la photo. Les administrateurs de la SNF montent. Administrateurs de la SNF. Bernard, tu peux monter aussi. Véronique, vous pouvez monter aussi quand même. Parce que les acteurs de cette soirée, c'est bien sûr les administrateurs, mais c'est aussi nos deux fidèles accompagnants qui sont Véronique Schellhorn, qui est vraiment omniprésente dans cet événement, et Bernard, qui est le grand orchestre. Avancez-vous, voilà. Vous voyez, heureusement Bernard qu'il est là. Heureusement qu'il est là, Bernard. Et donc, c'est le grand orchestrateur de la soirée. Et donc, je pense que c'est important de les mettre aussi à l'honneur. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous, et on était heureux de vous compter parmi nous. Voilà, ouais. Et je voudrais dire à tous les lauréats qui méritaient hein, tous ce soir d'être nominés. Enfin, tous les lauréats sont invités à aller sur le stand au cocktail de TLM. Des places pour le volley vont vous être remises pour un des prochains matchs. Voilà, donc je vous invite. On est partenaire aussi avec le TLM de Tourcoing. Le Grand Prix 2019, Société industrielle de chauffage, bravo et merci à tous, bravo, merci à tous nos lauréats et merci à tous ceux qui sont dans la salle ce soir pour votre fidélité, c'est incroyable, il y a encore du monde, on fait le plein là, je regarde Bernard, il n'y a plus de place, c'est terrible. Merci à vous tous.